la CAQ aujourd'hui ne s'aligne pas sur l'extrême majorité des gouvernements qui sont représentés à l'ONU et qui demandent un cessez-le-feu. Ça fait 24 jours, si mes calculs sont bons, qu'il y a des bombardements sur Gaza. Gaza, c'est plus petit que l'île de Montréal. Il y a des milliers de bombes. Il y a un enfant qui meurt toutes les 15 minutes en moyenne actuellement. Et le gouvernement du Québec a décidé de ne pas appuyer un appel au cessez-le-feu. C'est une... Vous avez écrit que la CAQ s'aligne sur le gouvernement Netanyahou. Donc, la CAQ s'aligne sur un gouvernement d'extrême droite, c'est ce que vous estimez? Nous, on pense que qui que ce soit qui trouve normal qu'il y ait un enfant palestinien qui meurt toutes les 15 minutes depuis 24 jours et qui n'est pas capable d'appuyer un appel au cessez-le-feu devrait avoir honte. La CAQ trouve ça normal qu'il y ait un enfant tué toutes les 15 minutes? La CAQ a refusé un simple appel au cessez-le-feu et au respect du droit international. C'est évidemment quelque chose de terrible, ce qui se passe à Gaza. Il y a toutes sortes d'observateurs de l'ONU, de militants de droits de la personne, d'associations qui parlent d'un début de génocide. Il y a des femmes qui ont des césariennes sans avoir d'anesthésie. Il y a des enfants qu'on va peut-être débrancher à l'intérieur même de leur couveuse parce qu'il n'y aura plus d'électricité. Et ce gouvernement-là, il nous dit qu'il n'est pas capable d'appeler un cessez-le-feu. C'est une honte. C'est une honte devant nos yeux. C'est ça qui se passe. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de nourriture. C'est une honte. Mais c'est ça que je vous dis, moi. Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire. Ils n'appellent pas un cessez-le-feu, il n'y a rien d'autre à dire. C'est une honte. Ces enfants-là ne sont pas des animaux, comme le disent les militaires israéliens. C'est des êtres humains. C'est des êtres humains. C'est pas possible. C'est des êtres humains et ils ne sont pas capables d'appeler un cessez-le-feu. Vous me demandez qu'est-ce que j'en pense? C'est des êtres humains, c'est ça que j'en pense. Et tout être humain doit appeler un cessez-le-feu. Et c'est ça le Québec. C'est pas ce qu'a décidé de faire la CAQ hier. C'est ça le Québec. C'est une honte.